Et bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Salut Nougat, non je n'aime pas le fromage, mais on m'a forcé à mettre ce message dans la boucle d'attente. Mais je suis toujours team anti-fromage. Merci beaucoup MacLeod pour ton abonnement Prime, ça fait extrêmement plaisir. Ton troisième abonnement. MacLeod, c'est dans Highlander, c'est bien ça? J'essaie de sortir des refs, mais je suis pas sûr du tout. Salut Oshiria, salut Zombie the Fly, salut Captain Arty. Captain Arty, c'est mon frère et je lui ai envoyé un message il y a quelques minutes pour me dire, t'as intérêt à t'abonner avec ton abonnement Prime, sinon je n'aurai pas de CD. Du coup, je lui ai fait un peu de chantage, du coup j'espère qu'il va s'abonner. Non, je ne sors pas de la douche, mais c'est un poncho. C'est un poncho. J'ai vu que Kizual... mettez des ponchos, du coup, c'est un peu pour lui rendre hommage. Il y a les Let's Plaid et les Let's Poncho. Salut Chino, comment vas-tu? Alors oui, comme je vous le racontais tout à l'heure, j'étais en retard, j'étais en train de faire des courses, je devais acheter des œufs. Oh là, je suis flou. Faut que je fasse comme Agbou, il fait ça pour... Ouais, c'est bon, je devais acheter des œufs. Sauf que... Alors attendez, j'ai enlevé ça. Salut Nimbarbu. Je devais acheter des œufs. Sauf que j'ai oublié que c'était la veille de la Saint-Valentin, du coup il y avait plein de gens et je suis allé faire des courses à 17h30, du coup très mauvaise idée. Donc je fais la queue avec ma petite boîte d'œufs là, deux. Et il y a une vieille dame qui est passée devant moi alors que j'étais déjà en retard. Bah du coup évidemment je lui fais un petit croche-patte, elle tombe par terre. Donc là évidemment elle appelle la sécurité qui me fait un quai de bras et tout. C'était horrible. Et là, par miracle, j'ai sorti le tote bag Canard PC. Attendez. Et là, tout le monde a fait. Oh, excusez-moi, excusez-moi, vous travaillez à Canard PC, mais vous avez la priorité. La dame qui était par terre, qui avait sûrement des trucs cassés, elle a fait. Oh, pardon, excusez-moi, vous êtes journaliste à Canard PC. Allez-y, allez-y. Et du coup, c'est grâce à ce tote bag qui est disponible sur la boutique Canard PC pour 12,90 € que j'ai pu venir à l'heure pour ce live incroyable. Également disponible. Toujours en boutique et en kiosque, le numéro 415 de Canard PC. Quel mytho? Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Mais je ne suis pas du tout un mytho. Grâce à ce tote bag, j'ai pu arriver à l'heure. Donc je vous conseille d'acheter ce très beau tote bag. Bah ouais, apparemment oui, Nimbarbu. Merci beaucoup Redbeer qui offre un abonnement à Chino. Incroyable, merci beaucoup, tu es quelqu'un d'incroyable. Par contre, je vois toujours pas d'abonnement de la part de Captain Arty. Dommage. Je suis un peu déçu. Alors, aujourd'hui, on va faire la suite de Little Nightmares 2. Voilà, c'est vraiment un petit live, c'était pas vraiment prévu, donc on va être en petit comité. J'ai même pas encore lancé le jeu. Où est-il? Little Nightmare. Je vais mettre mon casque. Je suis pas du tout professionnel. Attendez, je suis bloqué à cause de la capuche. Merci beaucoup, nous. Nougat, c'était incroyable. Faut savoir que Nougat a joué avec nous, avec mon frère, à Ultimate Chicken Horse il y a quelques mois. Et donc, il vient d'offrir un abonnement à Arty. Vous êtes incroyable. On a quand même la meilleure communauté à Canard PC. Alors, Little Nightmares 2 que je lance maintenant. Alors, est-ce que ça se lance? Alors d'ailleurs, merci beaucoup à Jean-Baptiste Chaud qui m'a beaucoup aidé dans mes paramètres de live parce que j'ai un PC qui est pas très bon. Et du coup, il m'a beaucoup aidé. Non, il n'y a pas de mode connecté. Mais on est samedi, hein. Ça va être un petit live. En vrai, on va être en petit comité ce soir. Mais c'est cool, en fait j'avais trop hâte de faire la suite de Little Nightmares 2. Mais oui, pas besoin de modo, il n'y a jamais eu de problème dans mes lives. Hop. Par contre, j'ai la main sur la modération. J'ai juste à faire un clic sur un pseudo et vous êtes ban. Ban def, direct. Super, ta prestation dessinée, c'est gagné. C'est vrai? Merci beaucoup. Mais écoutez, je vais vous faire un dessin maintenant. Salut, tyran. Comment vas-tu? Alors, je vais faire. Qu'est-ce que vous voulez que je. Dites-moi un truc que je dois dessiner, je le fais maintenant.
N'importe quoi. Pas de soucis. Un cochon maintenant, c'est parti. Alors, un dinosaure? Allez, les deux. Je vous fais les deux. Un émoticône. Allez, je vous fais les tous en même temps. Alors, le cochon déjà. Tyrann, pardon. Et merci beaucoup, Jim Kill. Bah du coup, Jim Kill, tu auras le droit aussi à un dessin vu que tu viens de t'abonner. Je vous rappelle que si vous vous abonnez, je vous envoie mon dessin par courrier. Vraiment, je m'y engage, si vous me le demandez. Parce que j'ai des talents de dessinateur, si vous ne le savez pas. Alors attendez, hein, je suis en train de le faire. Donc là, je suis en train de faire les oreilles. Hop, les yeux. Merci beaucoup, Shuzubaji. Hop. La queue, donc c'est une queue en tire-bouchon, hein, c'est ça, hein, les cochons. Hop, hop. Hop, hop, avec une petite perspective là comme ça. Ah, il est magnifique, en vrai il est magnifique. Ensuite il y avait une petite patoune. Bah, je vais vous montrer la petite patoune maintenant. C'est bon, je vais pas louper. Ok, c'est bon. Alors, la patoune maintenant. Hop, hop, hop. Voilà, et il y avait quoi d'autre? Un dinosaure. Allez hop, je vous fais un dinosaure là, pas de souci. Je vais vous faire le T-Rex dans... le T-Rex dans Toy Story. Avec ces petites patounes là. Hop. Il est super ressemblant. Je vais vous montrer tout ça, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc nous avons donc évidemment le cochon. Regardez comment il est super réaliste. Donc j'ai pas de crayon de couleur, hein. Hop. Nous avons la petite patoune de chat. Et nous avons évidemment le dinosaure. Voilà. Alors ouais, c'est la musique Nougat, c'est la musique de Little Nightmares, hein, qui est en fond. Vous notez combien sur 10 mon dessin, s'il vous plaît? Soyez honnête. Soyez honnête. On se connaît, mais... J'ai envie que ce soit honnête, s'il vous plaît. 7, 8, merci. 0,005. Ouais, on dirait ma moyenne en histoire géo. 3,75 sur 10. 7 sur 10. 6,5 sur 10. 6,49. Incroyable sur 10. Merci beaucoup, Nougat. 2 sur 4 pâtes au cochon. Un bon 3 sur 10, merci beaucoup Tidan. Merci beaucoup, bah écoutez, ça ressemble, en vrai là ce que je viens de voir, c'était mes notes au collège. Hein. Donc il y a les 8, ça c'était en français, et il y avait les maths, donc ça c'était plutôt du 3 sur 10, non c'était plutôt du 1 sur 10. Ouais ouais, ça ressemble, là je revois toutes mes notes. Avec la couleur t'arrivais à la moyenne, ouais mais en fait mes comptes couleurs sont de l'autre côté, j'ai la flemme de me lever. Alors attendez, j'ai les cheveux dégueulasses, pardon. Voilà. Bon. On est parti pour 2 heures de libre antenne. On va ouvrir bientôt la valise Canard PC. Vous allez pouvoir gagner plein de cadeaux. Appelez le standard si vous voulez gagner peut-être la valise RTL. N'hésitez pas. Appelez, le standard est plein, mais n'hésitez pas à rappeler. Ou sinon, on peut faire un let's play de Little Nightmares 2. Tenez d'ailleurs, hop là, il est ici. Alors, je ne sais plus où on était. Allez, qui appelle en direct Jules? Ouais, bah en fait, la dernière fois qu'on m'a appelé en direct, il y avait des problèmes de son. Du coup, je vais faire attention cette fois. La valise RTL, c'est eux qui appelaient. Ah, c'est eux qui appelaient, j'avais un doute. Bon, enfin, si c'est comme les autres radios, si les auditeurs étaient prévenus en avance. Combien d'heures de jeu? Alors figurez-vous, je viens de me faire la remarque. Là je suis à 3,7 heures de jeu. Et je crois que je suis vraiment encore au début du jeu ou peut-être au milieu. Et j'ai comparé avec Little Nightmares 1. J'avais fini le jeu en 3 heures en prenant mon temps. Donc il y a une plus longue durée de vie sur Little Nightmares 2.
Salut Illigad, comment vas-tu? Pour la Saint-Valentin, Jules nous donne des conseils. Ouais, n'hésitez pas si vous voulez des conseils. Cœur, n'hésitez pas à m'appeler ou à poser votre question dans le chat. Ne vous inquiétez pas, c'est entièrement anonyme. Allez, on reprend. Petite pause. Canette ouverture. Du coca. 3,7. Ouais. Non, en fait, j'ai n'importe quoi, mais oui. Attendez, je qu'est-ce qui était écrit? Comment utiliser des œufs pour la Saint-Valentin? Ah, mais j'ai une question. Mais c'est moi, en fait, qui vous posais une question sur les œufs. Ouais, j'adore le coca cherry. Salut Fingy67, comment vas-tu? J'espère que tu as passé un très bon samedi. J'ai une question à vous poser, après je vous jure, on va lancer le jeu. Mais je suis comme Noël Malware, j'aime bien discuter avec le chat. J'ai une question à vous poser. Les œufs, ça se met au frigo ou ça se met pas au frigo? Parce que quand tu achètes les œufs en magasin, ce n'est jamais dans un espace frais. Mais par contre, c'est toujours... à chaque fois que je vais chez des gens, c'est dans le frigo. Donc sinon, c'est pas utile. Ok. J'osais pas faire la blague Nougat. Mais oui, très très bonne journée Fingy67. J'ai regardé un très bon film, il va falloir que je vous conseille ce film, et j'ai oublié le titre, du coup je vais vous le dire tout à l'heure. C'est un film avec Andy Samberg de Brooklyn Nine-Nine, qui vient de sortir sur Prime, qui est incroyable. Et avec l'actrice aussi de How I Met Your Mother. Oui, au frais, frigo, frigo. Alors oui, mais du coup, ok, c'est au frigo, mais pourquoi quand on achète à Super U ou ailleurs? Pourquoi du coup c'est pas dans un espace frais? C'est juste la question que je me pose en fait. Ouais bon, j'arrive pas à ouvrir... Ah si, voilà, Steam. Du coup, je suis à... Bah, attendez, je vais vous montrer. Il y a rien de compromettant, hein. Non, c'est bon. Donc là, je suis à 3,4 heures. Et j'ai l'impression d'être encore au tout début du jeu. Et dans Little Nightmare, j'avais... Ah voilà, j'avais fini le jeu à 3,3 heures. Voilà. Et j'ai l'impression d'être même pas encore à la moitié du jeu. Voilà. Ça dépend, une cave fraîche le fait aussi dans le frigo, mais dans... Ah ouais, d'accord, très bien, merci beaucoup. Bah écoutez, merci beaucoup pour tous vos conseils. Cette fois, on commence le let's play. Est-ce que vous étiez présent pendant le live d'Isual hier? C'était super intéressant. Son émission Tronche de Quête. Vous étiez très nombreux, c'était trop cool comme émission. La conservation des œufs au frais limite fortement la croissance des bactéries. Le risque d'altération et d'infection alimentaire est alors considérablement réduit. Les œufs conservés à température ambiante pendant un jour perdent plus de fraîcheur que par rapport à une semaine au frigo. Merci beaucoup, chose où je ne savais pas. Et Arthur, qui offre un abonnement, à Feroun 7125. Merci beaucoup Arthur. Merci. Comme quoi il faut forcer pour avoir des abos. Dans tous les cas, je mets le replay de l'émission lundi. Ça sera dispo lundi le plus tôt possible. C'est un peu glauque. Alors, donc là, nous étions tout à l'heure, hier dans une école. Donc là, on change d'univers. Et j'ai l'impression que bah on est dans un hôpital. Hein. C'est tout aussi glauque. Allez, aide-moi. Merci. Waouh. Ça ressemble à une prison ou un hôpital psy. J'ai plus l'impression que c'est un hôpital. Je vais changer de chapeau parce que du coup je me confonds avec Six, donc qui est le personnage du premier épisode. Je vais mettre ça, j'aime bien. Ça me rappelle le film Orphelinat. Plus hôpital psy? Ouais, sûrement. Il n'y a pas eu de spoil sur Disco. J'ai pas joué à Disco. J'ai trop envie de le faire. Il est en promo en ce moment, il est à 20€ sur Steam au lieu de 45. Un collège? Non, le collège on l'a déjà fait. Le collège était hier.
Alors pour rappel, des fois je bloque sur certaines énigmes. Vous avez le droit de m'aider si vraiment je galère. Mais seulement si je galère, vous pouvez me donner des conseils. Ou avoir me donner des conseils de skill aussi. Et j'ai du mal avec la perspective dans ce jeu. Merci beaucoup Shuzu pour ton conseil. Alors si vous regardez le replay YouTube, il vient de me conseiller de ne pas me jeter dans le vide. Conseil, se jeter dans le vide, merci beaucoup. Ouais c'est ça, bad backseat, sauf si vraiment je galère quoi. Parce que je suis tellement nul dans les jeux d'énigmes. Après ce jeu ça devrait aller, hein, mais au cas où. Qu'est-ce que c'est ça? Réflexe. Et vous avez joué à Little Nightmare hier quand j'ai joué à Little Nightmare, quand j'ai posé la question, quasiment personne n'avait joué au premier. Donc je sais pas si vous avez profité de l'offre parce que Bandai Namco a offert le jeu pendant presque 3 semaines sur Steam. Du coup c'est comme ça que j'ai pu découvrir le 1 et je suis tombé amoureux de cette série. C'est pour ça que je voulais faire en stream le deuxième. Je viens enfin de me prendre The Witness hier sur Steam car il est en grosse promo. Ah. Il a combien? J'ai vu qu'il était en promo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je peux pas le ramasser? Ah si! Yes! Non, c'est pas ce que je voulais faire. S'il vous plaît. Alors c'est gâchette droite hein, pour avoir une action. Mais c'est pas possible. J'ai eu la même galère hier pour ramasser une clé. Il voulait pas la ramasser avec gâchette droite. Ah oui c'est les sols. Ah c'est pour ça qu'il y a plein de jeux en sol en ce moment. C'est un jeu pour Julie ça. Bah tiens d'ailleurs on a parlé avec Julie aujourd'hui. Et si vous avez apprécié le live de Paulinette et Julie sur Pacify, on compte refaire un live sur ce jeu et je serai présent. Parce que je pouvais pas hier. Mais du coup on va en faire un... On va faire un deuxième live sur Pacify. Eh bah tu m'en diras des nouvelles Olendel si tu aimes bien... si tu aimes bien Little Nightmare. Salut Morindor. Comment ça va? T'as passé un bon samedi? Oh non, oh yes, j'adore les jeux quand il y a une lampe. J'aimais Alan Wake juste pour grâce à la lampe. Ou Project Zero. Dès qu'il y a une lampe, j'adore. Ou Luigi Mansion. Appuyez sur B pour utiliser la lampe. Ah, nice. Bon, j'espère que tu peux... Que tu as pu te... reposer, Morindor. Qu'est-ce que c'est glauque? Allô? Mais c'est gigantesque! Alors, attendez, je vais faire demi-tour. Je vais aller là tout à l'heure. J'ai envie de voir ce qu'il y avait en haut là. Ici. J'espère qu'il n'y aura pas de screamer. C'est un pied, mais c'est... Oh! Donc voilà, ça c'est les collectibles hein, qu'on peut trouver dans le jeu. Euh,
Le civilisateur, j'ai une carte son externe. C'est pas branché en USB, j'ai un micro XLR. C'est branché à une AG03. Je peux vous montrer. Ah, je crois que le fil est pas assez court et pas assez long pour que je vous le montre. Mais c'est ce qu'utilisent la plupart des streamers, la G03 ou la G06, si on veut brancher deux micros, quoi. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a donc l'effet sur la G03, il y a l'effet écho que j'utilise des fois. Il coûte pas très cher. Salut Tokwandeshi, comment vas-tu? Bon, là, on va aller par là. T'en veux quoi? Une petite canette? Tiens, c'est pour toi. Tiens. Tiens. Mais tiens. Une autre? Tiens, c'est pour toi celui-là. Non, elle veut pas. Ouais, c'est ça. La G03, je le branche en USB directement sur le PC. Et après, j'utilise VoiceMeeter en plus pour gérer le son. Un café. Ah ouais, un café. J'ai pas de café. Là, je bois mon Coca cerise. Ce n'est pas une sponsor. Hop là. Ouais, en micro, c'est un Audio Technica. C'est le AT2020. Ah oui, ça c'est les fameux. Donc là, faut se coller à la télé. Qu'est-ce que c'est glauque? La T2020, d'ailleurs, qui est aussi disponible en USB. Pas obligé d'avoir une carte son externe. Le micro est très bien déjà de base. Bon alors. Là, faut régler l'antenne. Pas vraiment des pouvoirs, c'est très étrange. Là par contre je sais pas trop ce qu'il faut faire, en fait faut jouer avec le joystick gauche. Ah voilà. C'est pour que les patients puissent regarder les Marseillais à Mykonos. Ou les Ch'tis à Mykonos, je sais pas. Oh, une phase en 3D. Incroyable. On peut courir? Non. Mais non, il n'y a pas de pouvoir. Dans le 1, Six avait un... était un peu cannibale sur les bords. Oh, qu'est-ce que c'est... Mais regardez le personnage à gauche, il est tellement glauque. Non, on va aller... Je vais déjà aller en haut, voir ce qu'il y a. Ok. Donc ça, j'imagine qu'on peut pas l'ouvrir. J'ai tellement peur d'un screamer. À tous les coups, il va se lever et il va me faire peur. Baissez le son, je vous conseille. Vous savez que c'est pour ça que Kellen Ripley veut que je joue à Pacify, hein, parce que je crie très facilement aussi dans les jeux d'horreur. C'est pas parce que j'ai du skill. Ok, donc là il y a une clé à trouver. Ok. Mais justement, c'est ça qu'on veut, Nougat. On veut du glauque.
Ouais, il y a un épisode mobile. Attendez, je regardais ça maintenant. Very Little Nightmare. Et un quoi? Et un comic book? Very Little Nightmares. Ah ouais? De Bandai Namco. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est un escape room. Puzzle aventure. Ok, bah très bien. Qui coûte 8€, si jamais. J'étais même pas au courant. Merci pour l'info. Salut Minimoon. Comment vas-tu? Ah, ok, donc on a déjà trouvé la clé. La clé se trouve dans l'ourson. Ça sert à quoi? Ah. Nice. Salut Papa Rino. Bienvenue. Bon, j'imagine qu'on va devoir mettre l'ourson. Bah, c'est cet ourson. Ah, il y en a plusieurs, ok. Salut Argel. Hop, on va mettre l'ours ici. Et pose-toi là. Tac. Il me fait peur l'ours. Ok, c'est pas celui-là. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Ah ok. C'est une hache? C'est une partie d'une... Pourquoi elle a ça? On va enlever cet ours. Takuan, Leishi, elle fait un peu... Tu peux pas lui donner d'ordre à part lui demander de venir vers toi. Je peux appuyer sur Y, elle va me suivre, mais sinon elle fait tout toute seule. Et ce qui est dommage, on est déjà... Ça a changé Little Big Planet. Bah comme je le disais, Little Big Planet, c'est par les mêmes créateurs. C'est... Alors attendez, parce que j'ai un peu révisé mes cours. C'est donc développé par Tarsier Studio, qui sont à l'origine donc de Little Nightmare 1, Little Big Planet 1, 2 et 3. Avant que le studio, je crois, se fasse racheter. Parce que du coup, le dernier Little Big Planet sur PS5 n'est pas développé par le même studio. Allez, on va prendre cet ours. Alors, là, le civilisateur, il va falloir poser cette question à l'équipe de... Soit à Monsieur Chat, ou soit à l'équipe de Canard PC Hardware. Ah yes, la clé est là, ok. Oui, oui, mais j'ai vu que t'avais une hache. Oui, oui, tu peux sortir, Six. Ok, ok. Ok, donc c'est très bien. Il y a la clé, mais comment on ouvre? Il va falloir ouvrir maintenant la petite peluche. Salut, Nobi Denob. J'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. Est-ce qu'on va quand même vérifier ce qu'il y a dans cet ours? Ouais, au cas où. On va vérifier. Il y a peut-être un secret. Ouais, ouvrir avec la hache. Mais comment on ouvre? Déjà, elle veut pas me passer sa pluche. Passe-le moi. Non, elle veut pas. Bon, y a rien, ok. Oui, je sais, j'ai vu. T'avais pas compris, c'est quoi cette télé? De quoi tu parles de ça? C'est du... qu'on appelle ça? Du Belmo. Je retrouverai. Mais arrête de faire... Mais... voilà, rayon X, voilà. Voilà, ça c'est un peu les problèmes qu'on joue avec un ordinateur. Et encore une fois, oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est dommage qu'on puisse pas jouer en coop, quoi. Si je fais ça, elle va peut-être le faire toute seule. Ouais.
Je vais essayer ça, ta couenne. En fait, ce qui est dommage, c'est que, en fait, elle veut pas me passer son. Ah, il y a une sauvegarde automatique. 26. Ah, c'est parce que je voulais parler 26 fois. J'ai un petit trophée. Bon, on va voir, peut-être que c'est par là. Ah, est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur? Ah, c'est peut-être par là. C'est peut-être par là. Et du coup, ouais, t'avais raison, c'est sûrement là où on peut brûler du coup l'objet en bois. On est dans la morgue, ok. Ok. Mais écoute, Akwendeshi, je crois que c'est toi qui m'avais donné ce conseil, bah écoute, t'avais raison. Hein. Par contre, du coup, il faut qu'elle mette ça là. Parce qu'elle va le faire toute seule. Mais elle veut pas me le donner ? Ah, faut mettre juste la peluche en fait. Du coup, je vais devoir remonter. Est-ce que je peux rentrer ? Est-ce que je peux mettre Six dedans ? Est-ce que je peux rentrer dedans ? Ah, ok, donc là, ce sera pour récupérer la clé. Ok, bah du coup, je fais demi-tour. Sponsor Coca, ouais, Archie V33. Ça va, le jeu est fluide du coup. Chuzu Baji, non pas du tout. Pas du tout. J'ai décidé d'arrêter c'est très récent. J'ai décidé d'arrêter de manger des kebabs. Et je me mets au sport. Par contre oui, je suis team sauce samouraï. Alors oui, je dis que je me mets au sport, mais je bois du coca, je sais que c'est un peu... Comment je mets... Mais... Ouais, mais Takwendeshi, je pense que je vais craquer très, très rapidement. Mais c'était un peu ma drogue pendant longtemps. Yes. On peut arrêter le kebab et continuer la mitraillette. Bah ça, dédicace à Arthur, hein, qui vit en Belgique. Attends, mais elle est où la clé? Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois... Maintenant, il met sa clé... C'est la différence entre le 1 et le 2. Dans le 2, il met sa clé dans une poche. T'es pas obligé de la garder dans la main et maintenir gâchette droite enfoncée. On appelle ça un américain quand on est civilisé, mais en Belgique on dit pas américain. À moins que je dise une bêtise, mais à chaque fois que je vais en Belgique, on demande une mitraillette. Oui, c'est en bas. Oui, c'est en bas. Ouais, oui, c'est vrai, elle a mis où son objet ? Attends, mais il y a d'autres Belges dans le chat. Bah écoute, c'est Nougat qui a dit mitraillette. Nougat, es-tu belge? Oh là là. Ah, j'ai peur. Merci de me rassurer. Allez, viens. Tiens, je vais lui péter le bras encore. Allez, viens. Bonsoir. On ne fait que passer. Je
C'est le collectible qui m'a fait peur. On peut pas passer par là? Non. En bas, il y a quoi? Ok. Donc faut trouver... Est-ce qu'on peut prendre ça? Salut tonton yo-yo. Comment vas-tu? C'est toi qui est incroyable. Ah voilà, merci beaucoup pour ton aide. Merci. Et tonton yo-yo qui... J'aime bien parce que tu nous retweets. J'ai vu que tu retweetais toujours les posts de Manu. Tu retweets aussi mes posts. Merci beaucoup d'être là, tonton yo-yo. Ah! Pardon. Ah! Mais pourquoi ça me bouge? C'est immonde! Et qu'est-ce que c'est en bas? Ah, oh, j'espère que je vais pas me faire attaquer par des bras articulés. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je peux aller là? Bon, j'ai l'impression que dans le chat, le grand débat, c'est le kebab ou pas? Parce que hier, le débat, c'était Fort Boyard. Il y a deux jours, c'était quoi le débat? Il y avait un débat, je crois que c'était sur Vincent Lagaffe. Ah, j'ai peur. J'ai peur. C'est vrai que j'ai une lampe. Eh oh. C'est pas très sympa. C'est quoi ce petit cri? Va falloir muscler ton jeu si tu veux qu'on s'entende à côté des perces tympans d'Hélène Ripley. Ah, il est là. Il est là. Ok, bon bah... Il faut que j'y aille. Hein? D'ailleurs, si vous avez pas vu le live incroyable d'Hélène Ripley et Paulinette hier sur Pacify, il faut que vous le regardiez. Il y a des clips qui sont incroyables. Et dédicace au moment où Hélène Ripley a eu peur parce qu'elle a ouvert une porte. Et au même moment, Paulinette a tué une poule. Ah! Non, non, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Non, pas pareil. Ok. Allez. Faut l'éviter. Hop. Hop. On se casse, on se casse. On court. Ok, c'est bon. Encore là, ça va. Je sais pas si t'étais là hier, mais hier on était... Ah, mais il me suit vraiment partout. Mais je vais mourir. Ok, c'est bon. Il peut pas me suivre. Yes, c'est bon. Ouais, c'est creepy. Mais hier, on jouait contre une girafe. Enfin, c'était une dame qui pouvait étendre son cou jusqu'à très très haut. C'était totalement creepy. Oh non, il se la joue alien. Je courais. Ah! Casse-toi. Où ça, où ça, où ça? Faut que j'aille où? Là, en haut? Ok. Il peut pas sauter. Il peut pas sauter. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à récupérer? Ah, mais oui, c'est ça! C'est une des batteries qu'il faut récupérer. Ok. Je cours. Il va me tuer.
Le marteau. Je lâche. Il y a un marteau. Je vais le buter. Je vais le buter. Oh, il m'a esquivé. Ok. J'ai pas peur de toi. Tiens. Mais arrête de m'esquiver. Voilà, c'est bon, il est mort. On va l'achever. Bon, je pense qu'il est mort. Il ne te relève pas. Voilà, parfait. On a eu un petit trophée. Ah, j'espère qu'on va pas devoir faire demi-tour. Est-ce qu'on peut juste enlever ça? Ah, yes, on peut casser la vitre avec le marteau. Encore 2-3 coups. Allez. Hop là, ça c'est fait. Mince. La main qui fait même pas de doigt d'honneur, c'est vrai ça? C'est une main qui est polie. Tu crois qu'il est mort? Ouais. Allez, on se casse. Mais est-ce que j'ai vu la maison? Dans la maison des morts vivants, c'est de Romero, c'est ça? Je l'ai pas vu, je crois. Six, tu peux arrêter de jouer avec la main? Tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Merci. Ok, donc on a le premier. Le deuxième, par contre, il faut que j'aille où? Ah, Evil Dead. Alors il en faut un deuxième. Ici, il y avait quoi déjà? J'ai oublié. J'ai aucune mémoire. Ah, ok, non. Ok. Donc j'imagine qu'il faut plutôt utiliser ça de l'autre côté. Bon, à chaque fois, ça... Voilà. C'est un book, House of the Dead. Je crois que j'ai vu qu'un seul film de Romero. Faut que je me rattrape sur ces films. Et c'était pas le meilleur. Ok, donc là il y a encore. Ouais, il y en a partout. Ok. Merci Six. Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est? Il est vivant? Non, il est pas vivant. Ok. Tout va bien. T'es pas vivant, hein? Est-ce que c'est comme les infirmières dans Silent Hill? Non, c'est bon? Ok. House of the Dead, c'est un film de Uwe Boll. Je déteste. C'est bien le réalisateur bien nul. Il marche? Pardon. C'est comme dans Silent Hill. Ah, pardon. Ah, c'est dégueulasse. C'est immonde. C'est immonde. Je déteste ça. Ok, donc là je risque rien parce que je l'éclaire. Non, arrête. Bouge pas. Ah oui, c'est bien ça, ouais. Mais pas seulement jeux vidéo, j'ai l'impression. Si. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Est-ce que je peux lui prendre la main? Non. Mais non, je suis pas sensible du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, j'ai pas pleuré devant le dernier Pixar, mais pas du tout.
Il veut juste jouer? Ouais, bah, plus tard, plus tard. Oh là là, si, oh non, c'est vrai, c'est tellement comme dans Silent Hill. Il y a pas un passage au-dessus du monsieur assis, c'était avant? Bien vu, ah non, c'est juste une armoire. Après, on peut voir si on peut, au cas où, on peut essayer. Bonjour monsieur, je... Non, on peut pas, y'a rien. Bon, on passera là plus tard, hein. Je suis sûr qu'il y a des trucs plus intéressants. Qu'est-ce que c'est? On peut le prendre. Non, il y a rien. Bon, bah... Non, mais t'inquiète pas, hein, Chouzou Bagi. On va passer par là. Ah là 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 là. Bon, ok, alors attendez, deux secondes. Ah, je vous ai pas dit, je vais faire bientôt un live sur Silent Hill 4. Voilà. Parce qu'il est sorti en octobre. Parce qu'il était, on pouvait pas l'acheter en ligne avant Silent Hill 4. Il était introuvable et GOG l'a mis en ligne en octobre. Donc je compte le faire en live, même si c'est pas le meilleur des Silent Hill. Donc là aussi, je pense que je vais beaucoup crier. Parce que je suis quelqu'un de sensible, comme le disait Redbeer. Oh là là. On voit tes fesses. Hein. On voit tes fesses. Ah là, non, mais c'est... Ah non, non, bah oui, non, ok, donc là, c'est totalement... non, c'est totalement un clin d'œil à Silent Hill. Ok, s'il bouge, par contre, baissez le son, s'il vous plaît, dans votre live. C'est un conseil. Pardon. Arrête, non, arrêtez. Arrêtez. Mais c'est dégueulasse, vous voulez pas prendre la manette s'il vous plaît? Et ça, j'ai pas crié fort. C'est plutôt un cri de dégoût. C'était pas un cri d'effroi. Je me moque pas d'Hélène par contre. Je la comprends totalement parce que je suis comme elle. Par contre, c'est vrai que bah, ça me sert pour mes best-of de clips. Ouais, c'est vrai que je me suis engagé jusqu'à 20h. De toute façon, je finirai le jeu en live, hein, donc... Maintenant, je peux plus reculer. Ouais. Ah, c'est immonde. Mais oui, c'est horrible. Ok, merci. Merci beaucoup pour vos bons courages. Non, 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 j'ai une lumière. J'ai une lumière. Je suis sûr qu'il y a un collectible... dans le fond. Je vais devoir y aller. C'est mon instinct. Vous allez voir, j'ai raison. Ouais, bah j'ai totalement tort. Je vous l'avais dit. Hein. 1, 2, 3 soleil. Ah vas-y, ok, vas-y, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Alors attendez, on va essayer de le faire. Un, deux, trois, soleil. Je t'ai vu bouger, toi t'es éliminé. Un, deux, trois, soleil. Je t'ai vu, mais non, je l'ai vu. Pardon, faut pas boire du coca pendant un live. Ok, on recommence. Très bonne idée, Argel. Soleil. Un, deux, trois, soleil. Non, 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 non. Oh là là, oh là là, c'était une très mauvaise idée ce que je viens de faire. C'était une très mauvaise idée. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Je fais le tour. Je fais le tour. On joue plus un, deux, trois, soleil. C'est bon, on a fini. On a fini, on a fini. On arrête, on arrête, on arrête. Je me casse. Salut. Ah là, là on peut jouer un, deux, trois, soleil. Je risque rien. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2,
Soleil. Ok, c'est bon, bien joué. Bien joué, bien joué. Oh là là là, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Non, ils peuvent pas se baisser, j'ai l'impression. Oh là là, qui va bouger? Ah, bouge pas. T'es moche. T'es moche. T'es moche, tu pues, t'es moche. Bouge pas, je t'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Je vous ai vu. Merci beaucoup, Dédouille BRD, pour ton 7e mois d'abonnement. Je veux voir un max de cœur pour Dédouille BRD. Allez, je me casse. Salut. Ah, mais... T'es moche. Ok. Ça se passait aussi comme ça, t'es 1, 2, 3 soleil, mini moon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ok, faut aller en haut. Il y a un script, il va se passer un truc, c'est obligé. Mince, ok. Comment est-ce que tu ramasses un gros gun? Je crois qu'il n'y a pas de gros gun. Par contre, dans l'épisode 2, quand on a fait l'épisode 2, il y avait quelqu'un qui nous tirait dessus. Faut peut-être que je range la lampe. Salut Nacheux, comment vas-tu? Mais... J'ai vraiment du mal, pardon. Allez, allez, c'est bon. Mais il y avait un shotgun dans l'épisode 2. Par contre, le petit n'aura jamais... Ah si, un moment... Si, à un moment je tire sur quelqu'un. Je crois que c'est dans l'épisode 1 où... où je tire sur quelqu'un. Ah, mais arrêtez! Ça c'est quand on sort de la rédaction de Canard PC, il y a tous nos fans. Il y a notre chauffeur qui nous attend à la sortie de la rédac. On rentre dans la voiture et là il y a tous les fans qui essaient d'avoir des autographes. Pas quand Agbu rentre dans la... C'est comme ça. C'est exactement pareil. Il y a tous les fans qui nous courent après et on les évite. Bon, je suis mort. Hein. On va recommencer. C'est immonde par contre. Je fais des blagues pour me rassurer. Je fonctionne toujours comme ça. Hein. Il y a des gens qui l'avaient déjà remarqué. Quand je joue à Phasmophobia, quand j'ai peur, je fais des blagues. Ça me rassure. Est-ce que si je les éclaire... Non, ça change rien du tout. Bon, faut juste les esquiver. Hein. Ah, mais non, mais... Pourquoi A, Captain Arty? Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu dire derrière ce A? Est-ce que c'est un A blasé? Un A? Je ne savais pas. Non mais comment on les esquive? Mais non, mais c'est pas possible! Je pense pas. Dans le 1, il y avait aussi un truc comme ça où tu devais esquiver. Mais j'ai du mal à savoir où je dois marcher. Non, faut faire des slaloms en fait. Faut faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. On t'enferme dans une pièce avec des araignées, tu fais un one-man show. Alors, Nougat, si on m'enferme dans une pièce avec des araignées, mais je meurs dans les 5 prochaines minutes, vraiment. C'est le pire truc. Je sais plus si je l'avais déjà raconté en live, mais une fois, il y avait une araignée dans mon salon, et pendant presque 2 mois, je ne suis plus allé dans mon salon parce que je n'ai pas retrouvé cette araignée. Du coup, je naviguais entre ma chambre, le bureau et une autre pièce, et le salon, je n'y allais plus jusqu'à ce que je retrouve l'araignée morte quelque part. Je sais que je l'ai pas tué, hein. Je l'ai pas tué.
Sinon je peux même pas, je pourrais même pas tuer une araignée, je pourrais même pas la... C'est ma plus grosse phobie. Bon par contre faudrait que j'arrive à... Ok c'est bon, on gère, je vais prendre la lampe parce que du coup il y a lui. Voilà. Ok. Non les pingouins c'est mignon, Minimoon. Ah pardon. T'as peur des guêpes? Moi aussi j'ai peur des guêpes. Mais ils sont dégueulasses! Je ne veux même pas savoir sur quoi je marche. Ah, faut grimper! Ok, c'est bon. Ok, non, c'est pas bon du tout. C'est beaucoup trop calme. Encore des savons, ça m'appelle le live sur Phasmophobia. Oh. Ok. Mince. J'ai envie d'en ramasser un, j'arrive pas. Arrête de parler, concentre-toi pour avoir peur. Alors si je de... Oh, il y a une petite pièce ici. Je vais juste voir ce qu'il y a ici. Écoute, on est en live, il faut parler. Il faut qu'il y ait de l'entertainment. Je vais voir déjà ce qu'il y a ici, après je vais faire demi-tour. Bah j'ai essayé de faire ça... Ah d'ailleurs, j'ai oublié une lumière, je viens d'y penser. Ça change grand chose. Je sais même pas s'il y a une différence. Ok, donc voilà, c'était un collectible. Avec un vrai cadavre dans la baignoire cette fois. Bon, on va le rejoindre. On peut pas. On va partir de là. Allez. Ok. Et oui, du coup, t'as connu, j'ai voulu éteindre toutes les lumières, mais ça rend pas du tout, on voit pas, et... Mais ce chat m'aurait engueulé. Je comprends, parce que... Non, faut avoir une bonne lumière. Si vraiment j'éteins toutes les lumières, on me verra même pas. J'ai peur que la chaise roulante vienne vers moi un moment. Je le sens, je sais pas pourquoi. Ah. Non, je dois reprendre la chaise roulante et l'emmener par ici. Ah, faut que je pousse la chaise... Oh là là, c'est immonde. Alors, j'espère qu'il va pas réagir. Non, faut pas faire ça. Non. Là ? Ok, c'est là. Ah, j'y ai cru. Il y a des freins, hein, peut-être. Je peux pas grimper sur le monsieur. Non. Je peux rien récupérer avec gâchette droite. Et si tu ne laisses que la petite lumière derrière toi? En vrai, je peux essayer. Hein. Tiens, t'as qu'une des... non, c'est un bug. C'est un bug sur mon écran. Alors t'as qu'une des chaises, est-ce que tu peux remettre un message sur le chat? Juste pour que je vérifie quelque chose. Parce qu'entre ton avant-dernier message et ton dernier message, tu n'es plus abonné à Canard PC. Ah, faut, non mais je crois qu'il faut juste pousser ça. Hein. Ah non, c'est un bug. Ah ou non, c'est trop bizarre. Non mais ça doit être un bug, mais sur mon écran tu n'avais plus le petit C à gauche de ton pseudo. Et je vous rappelle, je ne peux pas parler, je n'ai pas le droit de parler avec les gens qui ne sont pas abonnés à Canard PC. Évidemment. Mais ça c'est normal.
Je fais ça peut-être pour rien, je vous préviens, mais... Merci Token Leishi, je préfère. En vrai, tu viens de te réabonner ou pas? Parce que du coup, j'ai pas la notif, mais si tu t'es réabonné, merci beaucoup. j'ai vraiment l'impression que je fais ça pour rien. Tu t'es désabonné parce que j'ai pas éteint les lumières derrière moi, c'est ça? Mais non, c'est beaucoup trop haut pour aller... Je crois que j'ai fait ça pour rien. On va vérifier. Ah ouais, ok, je peux même pas. Ah si. Ce n'était pas ça. C'était pas ça. Bon, il doit y avoir un truc que j'ai pas trouvé. Vous allez bientôt pouvoir faire du backseat. Tu peux monter sur l'évier. Je vais essayer de monter sur l'évier. Je vais juste vérifier ici. Il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Ce truc, je l'avais activé. Si j'éteins, ça fait peut-être quelque chose. Ah! Si j'éteins, les monstres vont se réveiller. Donc le monstre... ça, je pense qu'il faut jouer avec le monstre en fauteuil roulant. Peut-être, hein. Ah! Pardon. Allez, viens, 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 on va l'enfermer ici. Hein. Allez, c'est bon. Voilà. J'ai pas du tout eu peur. Hein. Oh yes, c'est bien fait. Elle t'a dit quoi exactement? Mais chez moi aussi, j'ai un message sur le truc d'abonnement à côté. Je sais pas. Normalement, tu peux mettre un message, mais un peu plus tard. Shuzu, bah je sais pas ce que tu as mis. Mais si c'était un lien, tu ne peux pas. Et merci Cartapus qui vient d'offrir un abonnement à Ronron Ninja. Merci beaucoup. Ah oui, c'était un clip. C'était mon clip. N'hésite pas à l'envoyer en MP. Ça, je le mets... On regardera ce clip tout à l'heure, tous ensemble. Voilà. Je ne te crois pas, Mini Moon. Si ça arriverait vraiment, je pense que... Ah, attendez. Ouais, sur le Discord, n'hésitez pas à le mettre où vous voulez. Je t'ai vu, hein. Je t'ai vu. Tu m'as même pas fait peur. Non, non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah, non, 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 par contre... Wow, il m'a presque tué, lui. Oh non, vous êtes trois! C'est pas très sympa. Alors attendez. On va faire. J'entends un quatrième, j'ai l'impression. Oh! Ils sont quatre! Oh, ça va être affreux. Comment. Oh, ah! Ils sont cinq! Comment je vais faire? Alors attendez. Ok, ok. C'est horrible. C'est horrible. Je surveille toi aussi. C'est bon. Non, 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 non. Attendez, petite pause Coca. Ça doit être bien sympa ici. Ça doit être la salle de pause. J'espère que tu mettras un seul avis sur Google Maps. Bah écoute, il y a des endroits qui sont cool. Là par exemple, tu vois, c'est plutôt sympa.
Donc il y a du bon, il y a du mauvais, quoi. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Bien joué, Six. Ouais, vas-y. Eh bien, écoutez, on a le deuxième. C'est bon. On va pouvoir prendre l'ascenseur. Oh, mais il y a du maïs! Attendez, je peux le prendre? Regardez, regarde, j'ai du maïs. Regarde. Alors, est-ce que je peux prendre le deuxième, s'il te plaît? Merci beaucoup. Hop. Allez. C'est bon. Et là, on va pouvoir activer l'ascenseur. Et continuer l'aventure. Vous avez vu, j'ai même pas eu peur. Même pas une seule seconde. Merci beaucoup hein, pour vos abos. C'est comme ça que vous pouvez soutenir la chaîne Canard PC sur Twitch. C'est grâce à vos abos. J'ai entendu un bruit bizarre. Six, tu peux passer devant moi s'il te plaît. Oh, je suis en train de... Mince, je l'éblouis. Sûrement par ma beauté. Allez, c'est parti. Je vous jure, j'entends vraiment des bruits bizarres. Baissez le son de votre ordinateur, s'il vous plaît. C'est bête, Chouzou, tu m'as vraiment fait... J'ai quand même vérifié au cas où. Non, non, ok, là c'est Six qui vient de faire du bruit. Ouais, mais on est dans une morgue aussi. J'ai pas eu peur. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais. Ah, pardon. On va le buter. Tiens. Mince. Oh non, il m'a esquivé, je vais mourir, adieu. La chose, ouais. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. La main araignée, elle est affreuse, hein. Non, mais il y a des... Ah, ok, non, ok. Oui, en fait, il y avait vraiment des bruits chez moi. C'est bon, ok. Évidemment. Voilà. Je crois qu'il y a un troisième coup à donner. Quoi? Mais vous êtes pas... Mais c'est pas possible! C'est pas possible avec deux! Ok. Je suis un peu emporté. C'est là où je dois faire appel à l'esprit de Kodak, de Gotaga. C'est lui qui m'aide sur ces moments durs où il faut utiliser des 3 sismoscopes. Ok, c'est bon. Pardon, j'ai enlevé le chat sans faire exprès. Je vous remets, hop. Voilà.
Ok. Tu peux pas les laisser attaquer et esquiver. On va voir ça. On va faire cette technique. Fais-lui les ongles. Carrément. Alors attendez. Tac. Donc là il fait comment? Je regarde juste comment. Ouais, non. Je voulais juste voir comment il réagissait si je l'attaquais pas. Non, donc en fait faut attaquer, il esquive, puis il faut réattaquer. Mais par contre avec deux. Je comprends pas. Bon allez. On va réussir. Allez viens, viens. Hop. Et devant. C'était moins une. Ok. Non mais je fais n'importe quoi, c'est pas ça qu'il faut faire. Si vous avez une technique à me proposer, n'hésitez pas. Ou en fait, il faut juste peut-être que je les tue pas et que je... Non, je sais ce qu'il faut faire. C'est bon. Laissez le pro gamer. 360. Ok. Ouais, c'est ça. Lance-flamme, c'est une idée. Ok. Et là, go. Viens. Oula. Ok, on va esquiver. Yes. Oui. Ok, c'était bien ça. C'est bon. Bah là, elle est en train de casser le bois tout seul. Par contre, pour le dernier, elle arrive pas. Donc ouais, elle a peut-être besoin d'aide pour le dernier. Du coup, j'ai envoyé les mains très loin. Allez, go. Ah ouais, mais si je les aide... Ok. Non ! Non, c'est pas possible. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il est super loin à donner un coup de barre de fer. Et on peut pas... Non, on peut pas. Bon, on va réussir, on va réussir. Les deux. Je vais faire ça, tiens. Non. Je sais pas comment je fais, mais j'ai... Ok. Donc là, elle enlève le premier. Allez. Ah ouais, je peux l'aider. Ok, je peux l'aider. Et donc pour le dernier, elle a besoin d'aide. On va le faire. Go. Non. Et au pire, il peut pas nous aider. Non. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais en fait... Son attaque est super lourde. Et donc le temps que j'attaque la première main, la deuxième main a un temps de me tuer deux fois quoi. Allez, on y croit. C'est exactement l'instant pro gamer. Salut Morgul,
Comment vas-tu? Je l'ai raté, non mais je l'ai raté, ok. Là c'est totalement de ma faute. Avant c'était pas de ma faute, c'était la faute du chat. Comment vas-tu Morgul? Appelle un ami. Non mais c'est pas possible, en vrai je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris ou... Ok, donc deuxième. Il m'esquive deux fois. Ok, c'est passé. C'est passé. Aïe, mais j'espère que ça va mieux, Morgul, et que l'opération s'est bien passée. Ok, je cours. Ok. Vous ne mourrez pas. Ok, elle a enlevé la deuxième planche. Ok, on va l'aider. Allez. On va réussir. J'espère que vous croyez en moi, parce que moi je crois pas du tout en moi là. Allez, c'est le moment. Non, c'est pas du tout le moment. Je ne comprends pas. Je suis désolé, hein, je comprends pas. Doit y avoir un truc beaucoup plus logique. C'était chaud là. Oh ! Mais non ! C'est pas possible. Possible, j'ai envie de pleurer. Allez, on se concentre. Ouais, je pense qu'il faut les tuer, hein. Il faut tuer les mains, mais en fait, regarde, si j'attends. Moi je pense que la technique c'est ça, hein, c'est de taper une première fois, puis taper une deuxième fois. Non, je peux pas rage quit. Je vais réussir. Oh ok, c'était ça. En fait, faut qu'il soit bien côte à côte. Non, c'est bon, ça va le faire. Cette fois, c'est la bonne. Vous allez voir. Ouais, je crois que c'est ça, la moustache. Très bon pseudo. Cette fois, c'est la bonne. Merci beaucoup, Morgul. Allez, hop, et 2-1. Et 2-2. Et là, vous allez voir. Pro gamer. Je veux voir un max de pro gamer parce que... Oh, il est passé à droite. Tout à l'heure, il était passé à gauche. Merci pour vos pro gamers. Merci beaucoup.
Vous savez quoi, vous avez de la chance, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de lancer ma boucle de fin, et il y a un bug. J'étais en train de... Je voulais lancer... ouais. Et évidemment, c'est à ce moment-là que mon stream deck bug. Merci pour vos progrès. Bande de trolls. Ok. Ok, ça va le faire, ça va le faire. Non mais c'est pas possible. C'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Ok. Ok. Et là, normalement, il passe par le côté gauche. Faut qu'il passe... Ouais, voilà. Ok. Et là, je veux voir un max de pro gamer parce que je vais réussir. Regardez. Hop. Commentaire. Je vais enlever ma caméra. Et vous allez voir, sans la caméra, je vais me concentrer juste pour cette phase-là. Et vous allez voir, là, je vais réussir. Merci pour ton désabonnement, Dafinga. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Bah, you. C'est plus lui qui joue, je suis sûr, je te jure que c'est moi. Ok, je remets la caméra parce que là on arrive au moment. The moment, c'est parti, allez. Je l'ai raté, c'est pas grave. Hop, deuxième coup, et là. Mais c'est pas possible. Je sais, Noël. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Dans ce moment-là, le but, c'est de rester zen. Je suis zen. Tu ne peux pas commencer à enlever les planches. Écoute, on va essayer. Dans tous les cas, là, je suis plus à ça près. On va faire ça. Alors je lis vos conseils après. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit. Si, si, vous y croyez. Oui, oui. Non, 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 c'est pas fini. C'est pas... Ok, c'est pas fini. Vous avez... Je parle plus. Premier coup. J'ai envie de pleurer. Alors je voudrais remercier mes producteurs sans qui je serais rien. Merci beaucoup à mes parents, merci à tout le monde. Et merci surtout au chat. Merci. Merci. Merci, 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 merci à tous. Merci Ruduc, merci Noril, Zebello, Sacha Moustache, Captain Arty, Takwendeshi, merci Nougat. Ah, je pleure. Ça se voit, hein, je pleure. J'ai aussi envie de remercier mes sponsors. Allez, on reprend.
C'est super facile. Oh, ils sont beaux. Regardez comment ils sont beaux. Le quick save dans ce jeu, c'est bien Alt F4, ouais, ouais, ça doit être ça. Ce n'est pas fini. Mais qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse! Ah non, non, je peux pas jouer. Hein. Donc c'est le nouveau monstre hein, du jeu. Je crois que c'est le troisième monstre là dans le Little Nightmares 2 ou c'est le deuxième, je ne sais plus. On l'entend pleurer. Alors, est-ce que je peux utiliser ma lampe? Non, il n'aime pas ça. Ok, on fait demi-tour. Ah! Ok. Donc, un conseil, n'utilisez pas de lampe. Est-ce que je peux passer sans qu'il me voit? Non, non, surtout pas. Non, il est pas du tout beau, l'IGAD. Ok, on va prendre notre temps. Là, on passe en mode infiltration. Ça goûte après un stream de GeoGuessr. Bah, en tout cas, c'est vrai qu'il marche sur les murs. Ça, c'est bien connu. Ok, ok. On y va. Go. Qu'est-ce qu'il prend? Mais d'où il m'a vu? Il m'a pas vu, c'est impossible qu'il m'ait vu. Allez, on court. On s'en va. On va faire la même chose, on va courir. Hop là, raté. Ah non, ok, bon on va pas courir. Ouais c'est horrible. Ok, on prend notre temps alors. Qu'est-ce qu'il fait à ce personnage? Je comprends pas ce qu'il fait au gars là. Il est en train de le démembrer. Ok, là c'est le moment. Ok, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon. On avance. Ok, donc il y a le bouton, il va falloir activer le bouton avec les objets qui sont au fond, donc je vais devoir avancer. Ok, let's go, on y va. C'est le moment. On voit pas tout ce qu'on dépense. Comment ça? J'ai pas compris ta question.
Allez, on y est bientôt. Ok, on va prendre la tête de singe. C'est bon. Alors écoute, je connais Alain Souchon, je l'ai vu en concert, mais je connais pas du tout ce qu'il fait. Enfin du coup, je n'avais pas la référence. Mais j'imagine que c'était une très bonne référence. Mais ne sois pas désolé, Mini Moon. Mais passe en tout cas une très bonne journée, passe un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche. Et à bientôt. Si, bien sûr, Tonton Hugo. Mais j'ai des albums sur mon Spotify en favori, mais... Je pourrais jamais sortir de ref d'Alain Souchon. Ok, je vais courir. D'Alain Souchon, quoi. Non, je vais peut-être me planquer là, en fait. Mais si, je sais ce qu'il fait. Mais j'ai vu tellement de gens en concert. Je l'avais vu avec... mince, comment il s'appelle? J'ai vu Alain Souchon avec... avec Laurent Voulzy. Pour le travail. Ok, c'est bon, on y est. Maintenant faut aller où? Faut grimper ici. Par contre il manque Six, on s'en fout de Six. De toute façon ils servent à rien, c'était un boulet, on se casse. C'était peut-être pas une bonne idée en fait. Non, c'était une mauvaise idée. On attend. Ok. Ok. Mais non, mais vous pouvez pas m'en vouloir de ne pas connaître par cœur les chansons d'Alain Souchon, c'est pas ma génération. Par contre, j'aime bien sa musique, sauf que c'est juste que je retiens pas ses paroles. Mais évidemment, Full Sentimental, je connais. Il y a aussi son... Oh, je suis mort! Il y a son dernier album. Dans son dernier album, il y a presque... Ou c'est dans son avant-dernier album. Ah bah oui, c'est ça un H.E. Mais non, mais en vrai, je l'avais vu pour le boulot avec... Du coup, c'était en duo et c'était trop trop bien par contre. Ok. Je suis plus fan des Kiss United. Mais oui, mais on en a parlé avec Toxic Avenger mardi. Je rêve d'avoir un canevas de Kiss United.
Et du coup, j'ai regardé sur eBay et ça n'existe pas. Et du coup, je suis terriblement déçu. En plus, j'adore la chanson française. J'ai vu Benjamin Biolay en concert, c'était trop bien. Il y a 2 ans, j'avais vu Étienne Dao, c'était incroyable. Oula, 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 oula. Est-ce qu'on rentre dedans? Ok, donc il faut une clé. Est-ce qu'on peut tirer ça? Oh, je suis sûr que la clé est là. Regardez, pro gamer. What? Mais ça sert à rien de faire ça? Ça se trouve, un des chanteurs leak un RPC. Mais c'est carrément faisable. C'est carrément possible. Je chante quoi déjà les Kids United? Non, je peux pas ouvrir ça. Merci, je rêverais de dire ça. Merci beaucoup Alain Souffon pour tes 10 abonnements pour la commu. Merci beaucoup, je vais avoir un max de cœur dans le chat pour Alain Souchon. Ah, Alain Souchon d'ailleurs qui a mis un petit message dans le chat. GG, je vous kiffe grave, continuez comme ça. Canard PC, dédicace à Agbou. Très bien, bah merci beaucoup Alain Souchon, on fera passer ton message. Merci beaucoup de supporter Canard PC et bienvenue dans la commu. Et voilà, un max de cœur pour Alain. Wow. Et voilà, c'est bon, on a la clé. Mais c'était super facile. Ah, un deuxième message d'Alain Souchon qui dit « La vie ne vaut rien ». Mais pourquoi dis-tu ça, Alain Souchon? N'hésite pas à en parler dans le chat avec la commu. Eh bien, figure-toi, Takendeshi, que j'ai fait ça pendant presque 10 ans. J'ai commencé en 2011. Alors. Mais du coup, ouais, j'ai fait ça bénévolement, puis après, c'était mon travail jusqu'en 2018, avant de rejoindre cette magnifique équipe de Canard PC. J'avais 7 ans. Non, quand j'ai commencé, j'avais 14 ans. Jules Savy, son œuvre. Regardez, je vais vous dire un autre titre d'Alain Souchon. J'en ai pas. Désolé. Si! Ah, oula, attendez. Le baiser. «
coup, c'est pas... C'était dans une radio qui s'appelait Radio Attitude. Et avant, c'était une radio qui s'appelait Sun. Sun Radio à Nantes. J'étais aussi sur Télé Nantes. Mais ça, faut jamais retrouver les archives parce que je n'étais pas du tout à l'aise. Mais oui, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Allez, on va réussir. C'est bien, il se lave les mains. C'est bien. Faut toujours se laver les mains. Voilà. Toujours se laver les mains avant de manier encore. C'est ce qu'on apprend. Lave-toi les mains encore. Attendez, ma grand-mère m'a envoyé un SMS. Je le lis. Désolé. Hein. Ah. Elle me conseille de ne pas écraser des piétons parce que je commence mes heures de conduite. Et elle m'a donné en conseil de ne pas écraser les piétons. Du coup, je vais essayer de ne pas en écraser. C'est bien, lave-toi les mains. Salut The Canard Coin Coin, comment vas-tu? Oula, comment on passe? Est-ce qu'on peut escalader ici? Ah non, elle va m'aider, merci beaucoup. Ah, il faut laisser passer le piéton après avoir passé le passage piéton en voiture, c'est ça? Attendez, du coup, j'ai pas lu son SMS jusqu'au bout. Merci beaucoup pour Attendez, j'essaie de le dire en articulant. Merci beaucoup pour Pyramidal pour ton 18e mois d'abonnement. Tu le laisses passer s'il a le pied sur la route. Merci beaucoup pour le conseil, je prends note. Alors, et comme cadeau d'anniversaire pour le 5 mars, le permis dans la poche. Ah oui, parce que c'est bientôt mon anniversaire. Notez tous, c'est le 5 mars mon anniversaire. Apparemment c'est pas les mêmes règles comme je passe le permis à Paris. Apparemment faut klaxonner toutes les deux secondes. Ah c'est peut-être ça. Attendez, il fait. Oh, il mourra pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok! Mais c'est affreux ce qui... Qu'est-ce qui... Je cours. Ok, faut faire quoi? Il y a un truc à faire là. Il y a un truc à faire. C'est peut-être là? Ah, il est en haut! En haut, il y a le disjoncteur ou je sais pas ce que c'est. Ok. Ok. Yes. C'est bon. On se casse. Oh, il a entendu. De plus en plus flippant. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Ouais, il y a des moments qui sont bien flippants, ouais. Oh yes, il est coincé.
Ah, c'est horrible. C'est horrible. Je sais pas si c'est une bonne idée de... Si, bon. Ah yes, habile. Vite, 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 ferme. Adieu. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Salut Banda, salut Banda, comment vas-tu? Il est en train de cramer, je crois qu'il est complètement dead là. Bon bah, casse-toi, hein, on s'en va. Tu peux venir s'il te plaît? Ouais, elle se réchauffe les mains, c'est le bon moment. Est-ce que... Ouais, yes, c'est par ici. Bah écoute, Bandaek, on s'amuse beaucoup sur ce jeu. Bien glauque, aussi glauque que le premier. Bien plus long aussi. Et on a fini le niveau de l'hôpital. Donc on va passer à un nouveau monde. Donc là il n'y avait rien. À chaque fois ça me fait rire quand je prends l'animation, quand je prends le bras de Six. J'ai vraiment l'impression de lui casser le bras à chaque fois. Et viens. Il manque le fusible, comment ça? Mais non, je l'ai mis le fusible. C'était pour ouvrir la porte qui était tout à droite. Mais t'inquiète pas, ne sois pas des os, Nugget. Oula! J'ai eu un très gros ralentissement. Ah, il y a des ralentissements parce qu'il pleut dehors. Donc il risque peut-être d'avoir des... C'est le ray tracing. Donc il risque peut-être d'avoir des... Ah non, ça va, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il y a par ici? Donc on peut descendre là. On va voir, je suis sûr qu'il y a un petit collectible caché quelque part. Ah non, peut-être que justement le collectible est peut-être caché du coup dans l'égout. Ouais, c'est super cool. Il y avait pas ça dans 1, je crois. Oula. J'avais raison, le collectible est ici. Il est en train de pêcher. Est-ce qu'on peut toucher à la canne à pêche? Non, allez, on remonte. Je crois que tu gagnes absolument rien, tonton. Je crois que c'est vraiment pour faire le 100%. Ou peut-être que tu débloqueras un chapeau à la fin. Peut-être que c'est le dernier chapeau. Je pense, hein, peut-être qu'il y a un truc... Dans le 1, c'était ça, c'était des collectibles complètement anecdotiques. Et là, du coup, les collectibles, c'est des chapeaux que tu peux trouver un peu partout dans le jeu.
J'ai dû en louper plein d'ailleurs. Qu'est-ce qui tombe derrière ? Non, non. Non, tu vas prendre le chapeau. Mais non, mais attendez, il y a des trucs qui tombent. Ah ! Pardon. Ouais, ça vaut le coup, Snicked. Bah, il est plus gratuit, mais Bandai Namco l'avait offert pendant quelques semaines gratuitement sur Steam. À moins que ce soit encore dispo, je ne sais pas, mais je pense pas. Mais ouais, si t'as l'occasion de les faire, fonce. Hein. Puis ça doit pas coûter bien cher. J'ai pas fait les DLC du 1, apparemment il y a 3 histoires en DLC dans le 1 ou 2. Apparemment, qui sont bien cool aussi. Ah, mais arrêtez! Ah, mais il est vivant! Je me casse. Unravel, c'est dans le même style, mais sans le côté glauque. Il a pas de yeux. Ah ouais, je t'avoue que j'ai pas... Il a plus de tête non plus. Ah, j'aurais dû regarder l'animation. Mais, et The Canard Coin Coin, je trouve que Little Nightmare, c'est aussi, c'est bien mignon aussi. Pandag, je sais pas ce que tu as mis, mais si c'est un lien, tu ne peux pas. On va essayer de re-sauter, hein. Voilà. Ok, donc là ils sont attirés. Ah, c'est un clip. Bah écoute, on va regarder tous les clips tout à l'heure. Ah bah de toute façon on va bientôt arrêter. Donc ok, donc les monstres sont attirés par la télé. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Ça fait grave réfléchir, Nacho, hein, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, Six, là, j'imagine que tu vas devoir m'aider. Merci beaucoup. on parle combien que la télé va tomber, elle va mourir électrocutée. Bon, on parie rien parce que je me suis trompé. Ok. Hop. Hop. Yes. Non, canard coin coin, je préférerais m'enfuir. C'est un peu trop glauque pour moi. Ah! Les Belges se rencontrent dans le chat, Banda Hack et Captain Arty. Ouais. Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris, on va remonter.
Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, il est 57, malheureusement, on va bientôt devoir arrêter. J'ai quand même essayé de... En fait, faut aller là. Ouais, faut aller là. Ok. Bon, on va quand même essayer de faire... Non, mais c'est pas possible! Arrêtez d'inventer des mots, je n'ai pas compris. Je viens de voir vos messages, Michelignax. De quel mot parles-tu? Salut Monsieur Greffus, hein, qui était dans le chat de JB au lieu d'une autre pendant le live de sur Gartic Phone. On t'a vu, hein. Mais non, c'est pas ici, je suis bête, je suis totalement stupide. On recommence et après on va se quitter ici par là. Allez, on termine ça. Hop. Allez, un max de... Elle m'a pas suivi. Salut Galoen, comment vas-tu? Ah voilà, ok. Bon, dès qu'il y a une sauvegarde automatique, on se quittera là-dessus et dans tous les cas, je continuerai la semaine prochaine, hein, le Let's Scream sur... Mince, je vais peut-être t'ouvrir sur... Ben, je peux pas. Sur Little Nightmares 2. Oh, une clé. Ici il y a des trucs intéressants. Quelqu'un veut un café? Il est tout chaud. T'en veux un toi? Tiens. Non, elle veut pas. Ah, est-ce que tu peux m'aider à monter? Yes. Merci. Merci beaucoup John Lennon pour ton abonnement Prime, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Fallait pas. Qu'est-ce que ça a activé? Ça a dû activer quelque chose, quelque part. Mais que quoi? Est-ce qu'il faut que je redescende maintenant? Non, on peut pas y jouer à deux. C'est dommage. Bah, écoute, on va redescendre, on va voir. Ah oui, ça doit appeler l'ascenseur, ok. Bon bah on va remonter. Hein. Alors là, je vais peut-être aller à droite, faut peut-être y aller avec Six. Je vais revérifier à gauche. Salut Takwen Deishi, bah, merci beaucoup d'être venu en tout cas. Passe une très bonne soirée. Là y'a rien. Ok bah je vais aller à droite. Hein. Et après on va se quitter là-dessus. On va aller là. On va voir. Non c'est pas par ici. Écoutez, je suis bloqué. Tant mieux.
Je suis bloqué au bon moment. Est-ce que par hasard tu peux choisir quel personnage tu veux diriger? Non. On incarne... Pourquoi elle me demande toujours de sauter là-dessus? Je ne veux pas. Attendez, j'ai une idée. Je réfléchis. Ok, j'ai une idée. Je vais faire un truc. Et après on va se quitter là-dessus. Sur cette idée, sinon j'ai oublié demain. Enfin, je sais pas quand je vais rejouer. Non. Ouf, c'est chaud. Voilà. Bon, je suis sûr qu'on peut aller tout en haut. Et du coup, là, nous allons activer l'ascenseur. Et là, on saute. Incroyable. Incroyable. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous me flattez, vous me flattez. Par contre, j'ai toujours pas vu de sauvegarde auto. Ah, voilà, il y a une sauvegarde auto, du coup. Et on va se quitter sur un abonnement de Berthe et Bornu. Merde, j'ai envie d'avancer encore un peu. J'ai envie de voir ce qu'il y a. Non, non, on s'arrête là. Merci beaucoup, Berthe et Bornu, pour ton abo. Merci pour ton lançage de culotte, Bandak. On va se quitter là-dessus. Encore une fois, mon strip deck ne répond plus. Génial. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors attendez, je vais changer de scène tout seul, comme un grand. Voilà, j'espère que ce let's play vous a plu. Alors vous avez fait des clips. Alors attendez, je vais voir ça. Vous avez mis ça sur Discord, j'imagine. Laissez-moi voir ça. Quand Jules reçoit un SMS de sa grand-mère, Jules est formidable, Jules a la trouille, 1, 2, 3 soleil, c'est dégueulasse. Bah, merci beaucoup pour tous vos clips, je regarderai ça. Il y en a qui viendront peut-être, qui seront peut-être dans le prochain best-of. On va se quitter sur une citation. Maintenant, à chaque fois, on va se quitter. Et restez tous, parce qu'on va faire un raid. Alors attends 2 secondes. On va se quitter sur une citation de Michael Vendetta. Je suis un peu comme Batman. Il me manque plus qu'une lumière dans le ciel pour que les gens puissent m'appeler. Voilà. Et merci beaucoup Bandai qui vient de mettre un clip. Je sais pas pourquoi j'ai lu cette citation. Merci beaucoup Banda qui a mis un clip sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de Canard PC d'ailleurs. Alors, on raid qui? Y a qui à raider? Je vais regarder ça maintenant. Hop. Non, ça c'est moi. Kotos nous a fait un petit raid la dernière fois. Ah, il y a Punky. Je vous envoie chez Punky. Je sais pas si vous connaissez Punky. Ouais, mais Gotos, on l'a déjà fait il y a pas longtemps, il faut qu'on varie un peu. Gotos, on fera des raids chez Gotos, évidemment. Mais j'ai envie de vous faire découvrir quelqu'un qui s'appelle Punky, et c'est super cool ce qu'il fait. Si vous connaissez pas, c'est un... Non, pas Danny Caligula. Il fait des super vidéos sur YouTube, c'est génial. Là, il a fait une vidéo sur Guitar Hero, sur DS. C'est génial ce qu'il fait, il a aussi fait une vidéo sur GTA, sur Game Boy, et c'est super intéressant. Du coup, je vous envoie chez lui, faites un max de cœur chez Punky. Et en plus, peut-être Punky, on va le recevoir dans les 3C, c'est pour ça aussi que je vous fais un petit raid chez lui. Donc en tout cas, soyez très gentils avec lui, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Donc je vous envoie chez lui, et oui voilà, il a fait les jeux offerts dans les CRL, exactement. Donc je vous envoie chez lui. Alors attendez, non, comment lancer un raid, voilà.
chez Punky. Hop, on lance le raid. Passez une très très bonne journée. Merci à tous d'être venus. Merci tous. Merci pour vos abos. Merci Chino. Merci Bandak. Merci Tonton Yoyo. Merci tout le monde. Merci Nougat, Captain Arty, The Canard Coin Coin. Je vous envoie chez Punky. Je vous surveille, hein. Je serai dans le chat de Punky, soyez gentils avec lui. Et je vous fais des gros gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Demain, rendez-vous bien évidemment avec Akbou, demain soir, hein, comme tous les dimanches soirs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de, du Let's Play sur Little Nightmares 2. Des gros bisous, salut, je lance le jingle de fin. Si, il fonctionne.